Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série ancienne et bien sûr son film qui est récent, Alors, le titre est Chapeau melon et bottes de cuir. Donc, vous allez entendre la version ancienne. Vous allez entendre son générique et vous allez voir et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette série policière anglaise. Cette série policière anglaise. Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez la version de maintenant, donc la version de 2000 et la version des années 70-80. Ce que je vous faire montrer. Dépêche-toi. Montparnasse, 1925. Sans qu'on puisse expliquer pour. Désolé, désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. J'étais en train de le mettre en programme, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse série Chapeau melon et bottes de cuir? Moi, personnellement, c'est une série très sympa qu'on a beaucoup aimé, qu'on a beaucoup, on va dire, beaucoup connu ce domaine. Et donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup. La version nouvelle, elle est très bien. On va dire très bien, si on veut, parce que John Steed, hein, de Chapeau melon bottes de cuir, Madame Pire. Est toujours là et donc voilà et bon voilà et le souci dans dans le nouveau c'est que quand vous regardez c'est pas le même personnage qui est tout à fait normal, ce n'est pas les mêmes personnes qui jouent, mais c'est pas ça, c'est que je ce que je veux dire désolé ce que je veux dire c'est que c'est plus moderne, on va dire bon, plus moderne, mais en restant ancien. Le générique, par contre, n'a rien à voir avec Chapeau melon bottes de cuir, enfin de l'ancien. Voilà l'ancien qui est comme ça, et le nouveau, bah, le nouveau n'a rien à voir avec celui-ci. Donc voilà. Et quand vous entendez le nouveau, bah, c'est pas trop ça, c'est pas trop. Quelques petits passages qui fait sa musique de Chapeau melon bottes de cuir, mais enfin, personnellement c'est pas trop mon style. Voilà, et la prochaine fois je vais vous parler d'une autre vieille série, et là je pense que je vais essayer de trouver en version française, j'essaierai de trouver aussi en version française pour vous faire raconter un peu ces types. Je change un peu, voilà. Et après, je parlerai de l'actualité de Digitony Montois de temps en temps, parce qu'on ne va pas toujours rester que sur les mêmes sujets. Et de temps en temps, bien sûr, vous voyez, il y a des petites vidéos qui apparaissent un peu étranges. J'essaie de m'amuser un peu, j'essaie de voir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Bien sûr, il y a des commentaires un peu foulus, hein. Un peu ding-dong. Donc. Faut pas vous occuper, hein, c'est des gens un peu ding-dong. Voilà. Bah écoutez, voilà, dans ce milieu-là. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye.